Salut les gens, on se retrouve pour l'épisode 12 de cette série de Outlast où je vous fais découvrir le jeu de A à Z dans une ambiance voilà, où je me mets moi-même en condition pour flipper de ouf, ce qui n'est pas forcément toujours simple pour moi, hein. Je pourrais vous jouer la journée les volets ouverts, ça serait plus simple, mais non, je préfère essayer de profiter au maximum de l'expérience du jeu. Allez, on recommence, putain. C'est déquité. What, toi? Dans la salle du cinéma, derrière la lumière. Dans la salle derrière la lumière. C'est la carte, d'accord. Dans la salle derrière la lumière. Yes, coming! I'm coming! Là-bas, de toute façon, je peux pas. Ouah, to. Putain. Il y a plein d'endroits. Alors ça, c'était l'endroit du début, ok. Ouf. Oh, le bruit. Quand je marche dessus, là. Là, c'était là qu'il y avait le gros, je crois. Ouais. Non. Oh putain, la caméra là, ça, putain de merde. Oh putain, je vais pas supporter. Oh, il y a une vapeur chelou là. Ok, c'est bien. Y aurait-il pas une pile? Oh là 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 là. La caméra me fait putain de flipper de merde. Désolé pour mes grossièretés. Ok, ici il y a un casier. D'accord. Il y a des casiers pour se cacher. Pas faire un petit coup sur le chat, espace, si tu es là, hein, c'est toujours plaisir. Non, non, t'arrêtes pas de jouer, surtout. T'avais l'air de jouer pas trop mal. Où tu vas? Où tu vas? T'étais bien là, tu pouvais pas continuer à jouer du piano? Où t'es allé? Derrière la lumière. Putain. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. Yes, I'm here. There was no
tumeur était à point d'état pur. Oh, allez, la caméra là! Peur dévastatrice, une rage extatique. L'élément n'existe qu'en amour. Au-delà de l'espoir, dans un tel environnement, un esprit humain est capable de choses dépassant l'entendement. Vous avez dit que l'expérience exigeait d'être proche de la mort, de la folie extrême, nous sommes un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant. Parvenez à activer le moteur. Vous pensez que vos cobayes accompliraient quelque chose de surnaturel? Vous pensez qu'ils contacteraient une chose surnaturelle? Le surnaturel n'existe pas. Alors qu'est-ce que c'était? Vous avez dit que le projet Wallrider était une passerelle, mais une passerelle pour quoi? Allez! Quoi? Alors, pense à te laver les mains. Objet de re bactéries mangeuses de chair. Facite nécrosante, c'est vrai, putain, je démissionne. Alors là, il va se passer, je vais gueuler là. Je vais crier. C'est un truc ici. Vas-y, attends, je recharge. Oh, je m'y fais putain de pas. Allez, courage. Choc, je peux pas ouvrir la porte. Sale délire. Oh putain. Ce jeu est atroce. Pourquoi je peux pas? La clé est juste là. Peut-être.
je me chie dessus. Et là, faut que je saute. Ouais. Non, mais ils se foutent de ma gueule là, c'est ouvert maintenant. J'ai même pas lu. Ça disait quoi? Échappe. Retrouver le père Martin au niveau 3. Ça c'était la clé pour quoi? Bon, on veut m'obliger à passer par là. Allez, ça va bien. Ça va bien. Je crois que je vais arrêter de jouer après cet épisode. Je suis un peu trop tendu là. Et j'ai personne pour me soutenir sur le stream. Ça m'aide habituellement d'avoir du monde avec qui parler. Et j'ai beau imaginer que je vous parle à vous, ça m'aide pas. Oh, oh là là. Vas-y, 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 je m'en prends. J'ai beau imaginer que me dire ouais, je fais une vidéo pour des gens qui vont regarder. Donc je parle à des gens, mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que vous êtes pas là à ce moment. Du coup, c'est voilà. Tu veux me casser la gueule. Eh mais t'as vraiment une gueule de merde hein. Attends, au cas où. Ok, ça fait plaisir. Oh, c'est... J'ai la chair de poule. Putain, ils peuvent pas couper le son. Ouais, j'ai envie d'aller à la lumière d'abord. Toujours plus quoi. L'ascenseur est ouvert. Toujours plus la musique, toujours plus. D'accord. Bon, on y va en se disant que on risque rien. Ok. D'accord. Oppressante. Non, je vois putain de rien. Oh.
calvaire ce que tu vis. De toute façon, ça fait à peu près le temps. Je vais couper la vidéo ici. Du coup, c'est là-dessus qu'on se quitte sur cet épisode 12, si je ne dis pas de bêtises. J'avoue que je ne pense pas enchaîner sur l'épisode 13 tout de suite. J'ai du mal. Du coup, je vais faire une petite pause. Et je vais voir par la suite. Donc en tout cas, merci toujours de suivre cette série d'épisodes qui vous fait découvrir le jeu. Merci à vous. Un petit pouce bleu et abonnez-vous au cas où ça vous ferait voilà, au cas où vous aimez ce que je fais. C'est encourageant, ça me permet de continuer à me développer. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis ciao ciao, plein de bisous et à bientôt les gars. Tchuss.